Le spécialiste de retour après une petite dépression nerveuse, mais maintenant, ouh, youpi, c'est la fête. Alors comment bien tenir ses résolutions? C'est facile, il suffit de prendre des résolutions que vous serez sûr de... Tenir. Exactement, par exemple, en 2001, je mange quand j'ai faim. Par exemple, je ne sais pas, moi, en 2001, je vais aux toilettes quand j'en ai besoin. Oh, ouais, ça vient, je crois que ça vient. Vite, aidez-moi. Par exemple, en 2001, je m'endors quand j'en ai envie. Ah, je suis un peu fatigué, je crois que j'ai un peu de... Alors évidemment, vous ne faites pas les trois en même temps, sinon vous risquez de ressembler à Vico, hein. À qui ça? Vico, le roi de la pomme de terre. Deuxièmement, pour être sûr de bien respecter ces mêmes résolutions, engagez un coach résolution qui vous obligera à les appliquer. Je vous présente Jean-Luc, coach résolution. J'arrête de boire du café. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Oh, d'accord, j'arrête de boire du café, ça va. Et voilà, un succès assuré. Tu fais. Bon, évidemment, au bout d'un moment, c'est énervant. Et puis j'ai envie de vous dire, pour bien respecter ces résolutions, c'est une question de volonté. Méthode quoi? Il suffit de se dire, j'y arriverai. Moi par exemple, cette année, j'ai décidé d'arrêter de draguer en boîte quand je suis bourré. Et j'y arrive, hein chérie? Tu viendrais pas me faire un petit canon là vite fait là? Mais j'ai plutôt aller te faire un café. Attends, tu peux me ramener un slibar, l'allumé, il est dégueu. Ouais, bah je sais pas, démerde-toi, c'est ton boulot, t'es payé pour ça, non?